Un mini BOD, allô? Putain, t'as allé, elle s'est tournée pile à ce moment-là. Je lance pour vous record de la série de quêtes BMOT. Du coup, aujourd'hui, on fait le BMOT. Je vais lancer ça direct. J'ai parlé à la PNJ qui est derrière moi. L'assistante sérieuse, elle s'appelle, c'est ça? Assistante sérieuse, ouais, c'est elle. Et elle m'a dit, oh là là, créateur d'un autre monde, je t'ai mis une quête. Du coup, techniquement, là, victoire d'un autre monde, on est parti. Ah, oh, on peut déjà mettre à 4. Voilà, oh, là, mec. C'est la quelle quête? C'est visiteur d'un autre monde. Tu parles à l'assistante sérieuse, elle va te donner la quête spéciale visiteur d'un autre monde, voilà, tout simplement. Et tu fais ça pour voir la cinématique, ensuite c'est bon. Tu pourras rejoindre. Peut-être faut que je m'achète un casque pour l'hiver. Pour l'été. Un casque qui chauffe pas la tête. Ah là. Allons-y. Je veux. On arrive les pampas. Capture en même temps, hein. Et que tu cours pas cette allure. Bien vu. Celui avec la fleur, il est dur à avoir. Le pipipou, bah ouais. Je sais pas si on peut le capturer sur cette quête là. Bah. Ou pompe pas. Viens ici. Le pampa avec sa fleur, Nathan. Le pampa sur sa fleur sur, avec sa fleur sur la tête. Il est ici. Bon. Le Toto. Allez! Ils vont précieux. En précieux, moi, c'est le behemoth. Mais là, clairement, ils sont précieux, ouais. Bird up.
Par contre, lui, il tabasse tellement fort. Ben voilà, fort comme ça. Ah, il stun aussi, c'est vrai qu'il stun. Il stun en un coup. J'ai oublié ça. Il stun direct. Bah, ben, on y retourne. 1-0, hein. Ah bah, ben ça, mec. J'ai un peu couru d'avance, ouais. Vidéo de term... Ah, je la connais pas, Chocoprof. Kuruyaku de la quête Final Fantasy, du coup, c'est une de ses spécificités. Qui stun en un coup, en plus de taper vraiment plus fort. Donc cette quête, ouais, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est plus dur que Behemoth, vraiment. Parce qu'il balance des dingueries. Oui, je fais attention à ma stamina. Hein. La musique de ouais, mec. Exactement. C'est moi ça. Épileptique? Non, je suis pas épileptique. Enfin, pas que je sache, peut-être que je vais le découvrir avec ta vidéo. S'il n'y a pas de stream demain, c'est à cause de Chococo. Hein. Vous saurez. Vas-y, viens. Si on peut le voir, lui. Ma gueule. Ouais, c'est pris un caillasse. Une caillasse. Un peu de caillasse, terminé. Pas utiliser le barotte. Oh dommage, c'est barré. Ok, il a juste pris le vol tout seul comme un grand. Non, l'épisode du Pokémon avec le Porygon, j'en ai entendu parler, mais ça m'a jamais intéressé de regarder. Après, il y a d'autres manières de savoir, hein. De toute façon, si t'as envie de savoir si t'es épileptique, faut pas regarder un truc qui déclenche des crises d'épilepsie, c'est complètement con. C'est vraiment le pire conseil à donner à quelqu'un. Est-ce que tu es allergique à ce truc? Est-ce que ça te tue si tu le manges? Bah, je sais pas, bah, est-ce que goûte pour voir? Bah, tu vois, genre... Oui, one shot en jump, tout à fait. Oui, je sais. Il y a beaucoup de japonais, de jeunes enfants, des gamins japonais qui ont pris des crises d'épilepsie dans la gueule.
Il a été censuré cet épisode-là dans plein de pays d'ailleurs. À cause de ça. Je suis au courant, c'est pas nouveau. C'est très vieux même d'ailleurs, je peux te dire. Tête. Perdu, bah ouais, mais on y retourne, on va y retourner, ça va le faire. Peter, t'as essayé de manger du gros tête, c'est ça? Comment ça, Peter? Faut tester pour voir si ça te tue. J'ai vu. Oh, les barreaux, t'as stun. Ok, bah la prochaine fois, je lui balance des boosts, vas-y. Moi, j'ai pas fait, j'avoue. Ça va être bien là pour la VOD. C'est le vrai combat hein, celui-ci. Hein. C'est combat de mort, le mob il est costaud de fou. Ouais. On attend Prirène et c'est bon. Go! De toute façon, si c'était pas le Barot, il vous serait tombé sur la gueule et vous aurait tué. Est-ce qu'il est comme ça, lui? Oui. Il y a quoi hein. Ah bah il est là le Bébou Barot. Reviens. Va là-bas là, va vers le crapaud. Le crapaud para. Il est là. Il se barre le bâtard. C'est vraiment un con, hein. Attention, ça pique. Je sais pas si on peut le wall. On peut pas wall, ok. Ça m'aurait étonné. Ah les crapauds, j'ai toujours voulu les choper dans le filet pour les balancer. En plus je joue sans cap là, sinon j'aurais mis un cap... Cap gardien et tout, tu vois.
Dans le doute. Ok. Il n'a rien pété, hein. Pour l'instant, on est bien, mais il peut nous wipe en 2-2. Non, vraiment. Il est terrifiant, le poulet. Rosanna ? Rosanna, viens nous aider ! La freerun qui passait par là, s'est fait des pops. Caca, ouais, c'est envisageable de fou. Envisageable de fou. Y'a pas les petits cris dans la musique. Un peu déçu. Comment ça, j'ai plus de proutes, il a dit, Pilou. C'est quel item dans le jeu, ça, les proutes? Des bouses? Plus de proutes? Caca. Je sais pas s'il peut prendre le crapal. Mais si ! Couillon de Kuluyaku ! Ça sent rien, non ? Il passe dedans, il s'en fout. Il y en a un autre, hein. Il y a un autre crapal, hein. Ah. Sur le deuxième. Pilou était loin, du coup il est parti vers Pilou.
What? Excusez-moi, hein. C'est bon. Encore vivant, oui, oui. C'est quand même bon. On a eu giga chaud. Oh, le bâtard. Il fait des pranks et tout, il s'en va, il revient. Comment le sidebox allait pas péter quand il est grand comme ça? Relève vite un frère là. La taille du poulet, oui, oui. Faut faire gaffe, hein, clairement. C'est pas juste bourré. Puis là on est dans l'eau, c'est horrible parce qu'on est ralenti. Je me casse. Moi je me mets pas dans l'eau hein. Parce que là Frieren tu vois il court à deux à l'heure en gain, tu te fais rush. T'es à deux qui a fracassé son écran. Ah. En vrai, c'est simple, hein, il suffit juste de pas se faire taper. Hein. Et c'est bon. Mais c'est l'emmerde, c'est vrai. Arriver à cette taille de Kuluyaku, ouais, c'est chaud de fou. C'est ça, le stun qui proc à 100%, c'est le pire truc, je trouve. Si tu mets une protection à ça, déjà, t'as un ratio de survie qui est beaucoup mieux. Hein. L'Austra, il a tendance à stun beaucoup aussi. Et lui, mec. Les bouses! Caca! J'espère que vous avez bien la vie max et tout, hein. Loulouloulou. Ah, ça restock de fou, hein. Restock le cax! Loulouloulou. C'est la dernière ligne droite. Ah ouais, c'est la pire zone, mais au moins on court pas au ralenti.
C'est des persantes. C'est bien ça, ça fuit. J'ai coché sur le caillou, c'est horrible aussi. Saleté va. J'ai peur pour Fred, c'est quoi? Oh. Saleté, va. Lui, c'est accroché, c'est un fou. C'est un fou! Ça fait qu'un. Ah ouais, mais. Ouais, ouais. Moi j'aurais trop peur, hein. J'avoue que. Je vais faire garder la cape pourquoi il me tombe dessus plutôt que la claquer comme ça. Hein. Flippant le poulet! Là, tu peux plus grandir, mon gars. Oui. Je crois qu'on peut même pas le flash. Je vais crever, ouais. Je fais un deuxième au cas où. C'est la zone healing. On a mis tous les heals là-bas, mais on s'est barré. Putain, lui qui prend Free Rain sur la garde. En plus, qui est donc. Bonne soirée, la bise. Enfin, il peut se poser avec la vie. C'est là-haut. Caméra speed, elle est un peu molle du cul. Nice. Petite. On n'est pas très cool, il y a courant encore. Nice. Bon, ça va. À plus, Choco Coco. La bise.
Bonne soirée. Didier le dessin. Relax. Aïe. Behemoth. Bah maintenant c'est le Behemoth. Moi c'est le vrai combat. Enfin, alors, il y a un faux combat et ensuite le vrai combat. Voilà, bon la VOD je les emmène voir la suite du petit scénar là et ensuite je cut. C'est parti. Allez, allez. On va voir le mog du coup. L'explication avec lui. C'est même plus qu'un duel contre Q-Bell. Pour Toki. Merveilleux. Le thème du mode, le mog est vraiment bien. Le cadet derrière qui voit rien. Il me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup ça, cette histoire de le voir comme ça en mode bah je vois rien. Comment ça Pilou? T'as lancé la mission pour Iceborne? Tu t'es trompé. Et si vous voulez vous fracasser du monstre, il a dit si vous voulez fracasser du monstre, je suis prêt. C'est bien, c'est ça, c'est l'esprit. Bah, du coup, Pilou il est parti, c'est ça? Il a peut-être relancé le jeu, mais je sais pas trop, Pilou. Il est parti, Pilou, il est dans la neige. Et voilà la VOD, c'était le début de la suite de quête pour le Behemoth, du coup nous allons taper le Behemoth maintenant. Et vous la mini VOD, je vous épargne ça, c'est sur la suite de VOD si vous voulez voir. Mais je vous épargne le gros du truc, quand même. Mais j'ai déjà posté un Behemoth plusieurs fois sur la chaîne en vrai. Mais voilà, si y en a qui veulent voir comment on s'en sort avec nos stuff là, sur le combat normal, tout ça, n'hésitez pas, et bisous.